Cette capsule vidéo a pour but de vous donner des trucs pour déplacer les objets. Ici, ce que nous avons à faire, c'est de prendre le prisme rectangulaire qui est bleu ici, puis le déposer dans la boîte. Donc, au départ, assurez-vous qu'aucun objet est sélectionné. Ensuite, cliquez sur l'outil déplacer et puis posez votre souris sur le prisme. En posant la souris sur le prisme, vous voyez que vous avez différents points où prendre l'objet pour le déplacer. Je vais prendre ici le coin en haut et je vais cliquer une fois. Donc, une fois que j'ai cliqué, en déplaçant la souris, vous avez le prisme qui suit. Vous voyez aussi, quand on a un déplacement qui est parallèle à un des axes, vous avez la ligne en pointillé qui prend la couleur de l'axe. Comme ici, on est parallèle avec l'axe vert. Si je me déplace vers le haut, je suis parallèle avec l'axe bleu ou parallèle avec l'axe rouge. Donc là, il faut prendre le prisme et le mettre dans la boîte. Dès que vous avez positionné votre objet au bon endroit, vous avez à cliquer une autre fois pour arrêter que votre objet suive la souris. Pour voir si c'est bien placé, là, comme c'est là, on ne voit pas vraiment. Vous pouvez faire le tour de la boîte pour voir si votre prisme dépasse pas. Une autre façon de voir s'il est bien placé, vous pouvez mettre les arêtes ici en transparence et voir si votre prisme est placé correctement dans la boîte. Là, on voit qu'il est beaucoup trop haut. Donc ici, on peut le redescendre un peu.